Oh, ben nous, à Haute-Saône, heureusement qu'on a Nancy, hein. Et qu'est-ce que tu me racontes, là, Nancy, c'est pas Haute-Saône. Ben oui, mais quand t'es en vacances puis qu'on te demande où c'est la Haute-Saône, t'es bien content de dire que c'est en dessous de Nancy. Ah, c'est vrai, ça. Puis t'as vu, quand on vient en voiture depuis Nancy, on a de la double voie, et t'arrives en Haute-Saône, terminé, plus de double voie. Mais oui, mais c'est fait exprès, c'est marqué Bienvenue en Haute-Saône, c'est pour que les gens regardent le paysage. Ah oui, là c'est Fougerolles, là c'est la cité du Kirsch. Oui, ben justement, qui rechigne pas, puis qui regarde, hein, les cisées en fleurs, c'est joli. Comme on dit à Fougerolles, ma petite entreprise connaît pas la cerise. Ah oui, puis alors après t'arrives à Luxeuil-les-Bains, là c'est les cures thermales, là tu crois que c'est efficace les cures thermales? Oh, ben moi j'ai une amie qui va tous les ans, elle me dit, t'es pas bien, tu vas faire ta cure, tu fais ta cure, t'es mieux, t'as fini ta cure, t'es remal à nouveau. Oh, puis ce qu'on a chez nous aussi, c'est les mille étangs, hein. Les mille étangs, qui c'est les mille? Mais les mille, c'est personne, les mille étangs, mais c'est du côté de Fauconnier. Les mille étangs passent l'âge, du côté de Fauconnier, me lisait. Ah oui, c'est là qu'on a notre champion de vélo, là, le Thibaut Pinot, là. Et puis c'est tout, je crois que c'est quand même incroyable qu'il y ait mille étangs tout ronds comme ça, hein. Oui, tu sais, ce qui paraît incroyable, c'est que tu puisses être aussi con. Oh, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, mon Dieu! Quand j'ai connu ton père, on était timide, on savait pas quoi se dire. Alors pour meubler, on est allé à Saint-Loup, c'est là que je suis tombé dans le panneau. Oh, il m'en racontait des blagues, hein, avec son copain de la mairie de Grez, là, le premier adjoint de la mairie de Grez. Oh, je l'ai jamais vu, mais il me parlait toujours de lui. Oh, il me disait, ça, c'est de l'humour du second degré. Et puis, en Haute-Saône, on a des entreprises, mais qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a une usine de fèves à Faverny, là. Oh, cette année, avec les copines, on a rigolé. On a écouté du disco en mangeant la galette. On a écouté les Bee Gees. C'était un petit peu la fève du samedi soir. Ah oui, et puis chez nous, on a la cocoyotte aussi, hein. Mais oui, du côté de Charsène, hein. C'est fait avec du méton. Et du méton, mais ça sent en quoi le méton? Eh ben, mets ton nez dedans, puis tu verras, hein. Ah oui, mais la cocoyotte, j'ai entendu, il parle de l'interdire, hein. Bon, qu'est-ce que tu me racontes, interdire la cocoyotte? Oui, ils ont dit plus de cocoyotte en voiture. Plus de cocoyotte en voiture? Mais non, mais c'est le coyote, c'est pour les radars. Ah oui. Mais qu'est-ce que je veux dire, chez nous, des gens célèbres, des gens connus, on n'en a pas. Mais si, mais on est le Stéphane Peter Hansel qui a gagné le Paris-Qatar au moins 10 fois. Il l'a gagné en vélo, en moto, puis en auto, puis en voiture. Ah oui, et puis c'est pareil, on a le gabure, là, l'imitateur, là, comment que. Thierry Luron. Oui, voilà, ça c'est un gars de chez nous, ça. Et puis on a aussi Jacques Brel qui avait chanté Vesoul, hein. Il avait chanté Amsterdam aussi. Amsterdam, monsieur. Amsterdam. Mais Amsterdam, pas la femme du hamster, Amsterdam la ville. Ah oui. Par contre, il y a un truc qui est bien chez nous, c'est pour l'immobilier, hein. C'est quand même pas cher, hein. Oh mon Dieu, à Paris, quand tu regardes les émissions télé, hein, t'as un 80 mètres carrés pour 500 000 euros avec vue sur la tour Eiffel. Mon Dieu, chez nous, mais pour 500 000 euros, mais t'as le village, t'as l'église, t'as le terrain de foot, hein. Et puis quand tu mets le nez à la fenêtre, t'es pas obligé de te farcir la tour Eiffel. Par contre, alors là, le réseau téléphonique, c'est pas terrible, hein. Mais c'est bien, quand t'es dans les embouteillages, le téléphone, on n'en a pas besoin, nous. Enfin, moi, je te dis ça, je suis mal placé, parce que j'ai deux téléphones. Puis j'ai un téléphone du département. Oh, qu'est-ce que tu me racontes là? En Haute-Saône, on n'a pas d'usine de téléphone. Oui, mais j'ai deux téléphones. J'en ai un sur vibreur et l'autre sonne.